بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بالجميع في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم دائما المزيد من النجاح في دراستكم ودائما التألق من الأحسن إلى الأحسن. قناة الأحمر كونسوليداسيون التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من الإشاعات عبر اللايكات ديالكم والكومنتات ديالكم، وأطلب منكم كذلك البارتاج ديال هذا الفيديو لكي تعم الفائدة. Bonjour à tous, bonjour à tous les fonds de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une leçon de la langue française. C'est une leçon de la discipline lexique. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement fondamental. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est d'identifier le lexique thématique à la citoyenneté, relative à la citoyenneté. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Lexique 6e année enseignement primaire et multididactique 2. Lexique thématique relative à la citoyenneté. المتعلق بالمواطنة، المعجم الموضوعاتي اللي عنده علاقة بالمواطنة. غوطا جوبسيف اي جو ديكوف، الاحظ واكتشف. ان بون سيتويان اي سيلوي كي كومبرون اي ريسبكت لي لوا. فوالا لا بروميير فراز. المواطن الصالح هو الذي يفهم ويحترم القوانين. Il adopte des comportements responsables, vis-à-vis de lui-même, et des autres, citoyens. Il contribue à l'éducation, et à la santé, de la sécurité, routière, à la solidarité, ثم au respect de la différence, احترام الاختلافات، العقلية والمادية والجنسية إلى غيره. Et à la protection de l'environnement, وحماية الانفيرونمون، المحيط به. La protection de l'environnement du Ghana, donc voilà le support sur lequel on va identifier la citoyenneté, on va identifier le lexique thématique relatif à la citoyenneté. Ce sont tous les mots qui sont écrits en rouge, ce sont des mots qui ont relation avec la citoyenneté. Bon, je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Question. Maintenant, on va poser des questions sur le support pour comprendre le but de notre leçon aujourd'hui. À quel thème, le thème du mot mondeur, à quel thème les mots écrits en rouge ou bien en gras, pour moi ils sont écrits en rouge, et pour vous dans le manuel ils sont écrits en gras, c'est-à-dire en noir. À quel thème les mots écrits en gras renvoient-ils? Tous les mots qui sont écrits en rouge, ils renvoient quoi? À quel thème? Ils renvoient au thème de la citoyenneté. Le mot au das, il y a le mot d'or. Les jamais qui n'y mettent les mots de l'homme, تهديف الى عندها علاقه بالمواطن. Deuxièmement, comment appelle-t-on les mots qui sont liés? Les mots qui sont liés à un même thème, on les appelle lexiques thématiques. Je manipule et je réfléchis. Je classe les mots en gras ou bien en rouge. Alors pour moi, ils sont écrits en rouge.
Les mots qui sont décrits en rouge dans le tableau. Nous avons les noms, l'asma, les verbes et les adjectifs. Alors, en ce qui concerne les noms, nous avons citoyen, les citoyens, les lois, comportement, l'éducation. Nous avons la santé, la sécurité routière, la solidarité, le respect, la différence, la protection, l'environnement. Ce sont des noms qui sont en relation avec, c'est-à-dire ces thématiques qui ont en relation avec la citoyenneté, pardon. Les verbes, nous avons respect, bien respecter, adopte, adopter, contribuer, contribuer. Ce sont des verbes. Respect, يحترم, يتبنى, ويساعد. L'adjectif responsable. Comment sont les comportements? On a ajouté responsable pour indiquer que les comportements ils sont responsables. Ils sont responsables. Voilà les noms, la santé, la sécurité, la sécurité routière, l'âme touroqui, la solidarité, l'ihtiram, l'ikhtilaf, la protection, l'himaya, bien l'BA, l'environnement. Deuxièmement, je cherche d'autres mots et expressions relatives à la citoyenneté. معجل موضوعات آخر أو كلمة أخرى عندها علاقة بلا سيتوانيتي أبا سيمولا أو نبي لا سيتوانيتي أو بيا أو كومبورتومون سيفيك لو كومبورتومون سيفيك هو السلوك المدني لو كومبورتومون سيفيك أن لاكسيفيتي كي لاكسيفيتي كي أون رولاسيون أفيك لا سيتوانيتي أن لا ناسيوناليتي أن لا كونسيونس سيفيك الشعور المدني L'égalité, le savoir, la collectivité, le mouchin, ce sont des mots qui sont en rapport avec, avec le thème de la citoyenneté. Je retiens. Alors, je retiens, ça veut dire un bilan. Ça veut dire un bilan. Mon phrase. Ça veut dire retenir ce qu'on va écrire dans la mémoire. Ça veut dire donc, le mot phrase, le lexique thématique. المعجم المواعي سي لونسوم دي مو دي نو مجموعة من الكلمات أسماء أفعال أجيكتيف إلى سي لونسوم دي نو دي نو دي فيرب دي أجيكتيف كون يتيوليز بور بارلي دان تيم جميع المعجم الموضوعات اللي تنستعملوه باش نهضرو على واحد الموضوع واحد تنسموه أن لكسيك تيماتيك أن لكسيك تيماتيك كاين لو لكسيك تيماتيك دو لوبيتال Quel lexique thématique de l'école, quel lexique thématique de la maison, hein, etc. Exemple de lexique thématique relatif à la citoyenneté. Nous avons un petit là, grâce à le mot j'aime le mot assis, il s'est allé la citoyenneté dans le temps. Alors, exemple de lexique thématique relatif à la citoyenneté et au comportement lexique. Bien maintenant, un petit là, ça te parle de quelques kalimat, la alaqa bi mu'jam al mawdu'ati ya la citoyenneté al mawtana ou la sulouk al madani, le comportement civique. Un citoyen, mouatin, le respect, l'ihtiram, la solidarité, un homme, une personne solidaire, la protection, l'himaya. L'environnement, le droit, le devoir, protéger, aider, respecter, etc. Ce sont des mots qui sont en relation avec la citoyenneté. Alors, ces mots-là, ce qu'on appelle un lexique thématique à la citoyenneté. Donc, voilà la leçon d'aujourd'hui concernant le lexique thématique relatif à la citoyenneté. J'espère que vous avez bien saisi le contenu et le but de notre leçon. Ça veut dire comprendre que ça veut dire un lexique thématique, un thème quelconque. Un lexique thématique de la santé, de l'école, de la maison, du marché, du voyage, etc. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.